Suite à ma dernière FAQ, j'ai décidé de vous raconter plus d'histoires d'horreur. Mais l'originalité que j'essaye d'apporter en tout cas, c'est de vous traduire des histoires anglaises et anglophones en version française. Donc je ne sais pas si ces histoires ont déjà été traduites, j'ai vérifié en tout cas et je n'ai pas trouvé de traduction. Je vous livre donc ma propre traduction. Ce sont des histoires pour ces trois-là que j'ai trouvées sur Reddit, le Reddit NoSleep, qui contient tout un tas d'histoires horrifiques, fantastiques ou étranges, qui sont supposées réelles. L'auteur que, évidemment, je comptais créditer, n'est même pas explicitement cité. En tout cas, il s'appelle Search and Rescue Woods, et toutes les histoires originales sont en description de vidéo que vous pouvez aller consulter si vous désirez tout simplement lire toutes les autres histoires ou bien lire la version originale. Voilà, je n'ai pas vraiment pris de liberté dans la traduction, je vous invite donc maintenant à écouter ces trois histoires, à fermer les yeux surtout puisque c'est un format qui se veut audio, vous pouvez également regarder les images, mais je vous invite vraiment à fermer les yeux et à laisser travailler votre imagination parce que c'est là que les histoires sont les plus terrifiantes. C'est parti. Cela fait quelques années maintenant que je travaille en tant qu'agent de recherche et sauvetage en forêt. J'ai donc vu et vécu beaucoup de choses qui vont assurément vous intéresser. Je suis plutôt doué pour retrouver des personnes disparues. La plupart du temps, elles se perdent en dehors des sentiers balisés, ou bien trébuchent en bas de petites falaises, sans pouvoir retrouver leur chemin. La majorité écoute les consignes de sécurité et attendent les secours sur place. Mais j'ai mené deux affaires où les choses furent un peu plus compliquées. Les deux me hantent constamment, et je m'en sers de motivation pour mener plus efficacement mes nouvelles affaires de personnes portées disparues. La première de ces affaires concernait un petit enfant qui était parti cueillir des baies avec ses parents. Il était avec sa sœur, et ils disparurent tous deux au même moment. Ils étaient sortis du champ de vision de leurs parents pendant quelques secondes, et ces quelques secondes suffirent à les faire disparaître tous les deux. Les parents, incapables de les retrouver, nous ont rapidement appelés. Alors nous les avons rejoints pour fouiller la zone. Nous avions retrouvé leur fille très rapidement, et lorsque nous demandâmes où était passé son frère, elle répondit qu'il avait été emporté par l'homme-ours. Selon elle, l'homme-ours lui donna des baies et lui dit de rester calme, qu'il voulait simplement jouer avec son frère un petit moment. La dernière fois qu'elle aperçut son frère, c'était lorsqu'il était sur les épaules de l'homme-ours, et il semblait calme. Bien sûr, nous avons immédiatement pensé à un enlèvement, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de la présence d'un autre être humain dans la zone. Et la petite fille insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un homme normal. Il était grand et recouvert de poils, comme un ours, et il avait un visage étrange. Nous avons mené des battues pendant des semaines, en ratissant sans cesse, et c'était l'une de mes plus longues recherches. Mais nous n'avons jamais retrouvé la moindre trace du garçon. La seconde affaire concernait une jeune femme qui randonnait avec sa mère et son grand-père. Selon sa mère, elle avait escaladé un arbre afin d'avoir une meilleure vue sur les environs, mais elle n'en était jamais redescendue. Ils avaient entendu au pied de l'arbre pendant des heures à l'appeler sans cesse, avant de finalement nous contacter. À nouveau, nous avons fouillé partout, sans trouver la moindre trace de sa présence. Je n'ai pas la moindre idée de comment elle aurait pu disparaître, car ni sa mère ni son grand-père ne l'avaient vu descendre. L'une des affaires les plus effrayantes qui me soit arrivée concernait la recherche d'une jeune femme qui avait été séparée de son groupe de randonnée. Nous la cherchions jusqu'à tard dans la nuit, parce que les chiens avaient détecté sa trace. Quand nous l'avons finalement retrouvée, elle était recroquevillée sous une grande bûche de bois pourri. Ses chaussures et son sac étaient manquants et elle était en état de choc. Elle n'avait aucune blessure et nous étions parvenus à la faire parler sur le chemin du retour à notre base. Le long du chemin, elle n'arrêtait pas de se retourner et de regarder derrière nous en demandant pourquoi ce grand homme aux yeux noirs nous suivait. Nous n'avions vu personne, alors nous estimions qu'il s'agissait sans doute d'un symptôme lié à son choc. Mais plus nous approchions de la base, plus la jeune femme devenait agitée. Elle n'arrêtait pas de me demander de lui dire qu'il devait arrêter de grimacer en la regardant. Elle scandait que non, elle n'irait pas avec lui, et qu'elle ne nous livrerait pas non plus à lui. Nous étions finalement parvenus à la faire avancer à nouveau, mais c'est alors que les bruits étranges commencèrent tout autour de nous. C'était presque comme des quintes de toux, mais de façon rythmée et plus profonde. C'était presque comme des bruits d'insectes. En arrivant dans la zone de la base, la femme s'est tournée vers moi, les yeux si écarquillés qu'on l'aurait dit habitée par quelque chose. Elle toucha mon épaule et me dit qu'il lui avait demandé de me dire d'accélérer, car il n'aimait pas voir la cicatrice sur ma nuque. J'ai une petite cicatrice à la base de mon cou, bien cachée sous mon collier, et je n'ai aucune idée de comment cette femme a pu la voir.
Juste après qu'elle ait fini de parler, j'ai entendu la toux au creux de mon oreille, et j'ai tressailli, frappé par la peur. Je l'ai rapidement menée à la base, en essayant de contenir ma peur, mais je dois dire que j'ai été très heureux de finalement quitter la zone ce soir-là. L'une de mes premières enquêtes en tant qu'apprenti était la recherche d'un enfant de 4 ans qui avait été séparé de sa mère. C'était l'une de ces affaires où je savais pertinemment que nous allions le trouver, car les chiens étaient sur une piste très concluante, et nous avions pu relever des indices explicites de sa présence dans la zone. Nous l'avions finalement retrouvé près de Buisson Abbé, à environ 1 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il s'était aventuré aussi loin. L'un des vétérans le ramena, et ça m'avait rassuré, car je n'étais pas très doué avec les enfants. Je ne savais jamais réellement comment leur parler, ni comment leur tenir compagnie. Alors que ma formatrice et moi étions sur le chemin du retour, elle décida de me faire faire un détour afin de me montrer l'un des coins fréquents où nous retrouvions des personnes disparues. C'était une descente naturelle toute proche d'un sentier très fréquenté. Et les gens empruntaient généralement la descente car c'était bien plus simple que de contourner. Nous entamions notre marche vers cet endroit. Il y en avait pour une bonne heure car c'était à quelques kilomètres de distance. En chemin, ma formatrice me montrait du doigt les environs où elle avait déjà secouru des disparus. Et pendant qu'elle parlait, j'aperçus quelque chose à l'horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone se situe à une dizaine de kilomètres du parking principal. Même s'il y avait des chemins plus simples si l'on ne souhaitait pas s'aventurer aussi loin. Mais nous étions dans une zone protégée, ce qui voulait dire qu'il n'y avait aucune exploitation commerciale ou résidentielle ici, ni aucun travaux. On croisait plus facilement des feux de forêt, voire même des SDF, plutôt qu'une quelconque activité humaine réelle. Mais alors, qu'est-ce que je voyais à l'horizon ? Ça ne ressemblait pas à un abri, et d'ici, je remarquais que les bords étaient droits. De toute évidence, ça n'était pas quelque chose de naturel. La nature produit rarement des lignes droites. J'ai pointé du doigt la structure lointaine à ma formatrice, qui l'a fixée quelques instants sans dire un mot. Elle m'a simplement laissé m'approcher toujours plus. Et voilà que je m'étais approché suffisamment près pour identifier la structure. Et à sa vue, tous mes poils s'hérissèrent. Et un frisson désagréable me parcourut rapidement. C'était un escalier, au beau milieu des bois. Dans un autre contexte, ce serait la chose la plus banale au possible. C'était un simple escalier, partiellement recouvert d'un tapis beige et haut de 10 marches. Mais au lieu d'être dans une maison ou un appartement, et donc à sa place normale, il était à l'extérieur, au beau milieu des bois. Les côtés, non recouverts, me laissèrent comprendre qu'il était fait en bois. C'était presque comme un bug dans un jeu vidéo, comme si la maison n'avait pas réussi à se charger et seuls les escaliers étaient parvenus jusqu'à notre monde. Je restais à côté, et c'était comme si mon cerveau fonctionnait à double régime pour essayer de comprendre ce qui se trouvait sous mes yeux. Ma formatrice arriva à mes côtés. Elle était impassible et elle regardait l'escalier comme s'il s'agissait de la chose la moins intéressante au monde. Je lui ai demandé ce qu'un escalier faisait au milieu de nulle part, et elle a simplement gloussé. Elle m'a répondu qu'il fallait que je m'y habitue et que j'allais en voir beaucoup au cours de mes recherches. J'ai commencé à m'approcher de l'escalier, mais elle me saisit le bras fermement. « Je ne ferai pas ça à ta place », me lança-t-elle. Sa voix restait plate, mais sa poigne était très ferme. Et je suis resté pantois à la fixer. « Tu les verras tout le temps, mais ne t'en approche pas. Ne les touche pas, ne les monte pas. Contente-toi de les ignorer. » Je l'ai immédiatement questionné. À nouveau, elle maintenait son silence, mais son regard me fit comprendre qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Nous avons continué notre chemin, et nous n'avons plus jamais mentionné l'escalier durant toute la fin de ma formation. Mais elle avait raison, cependant. Je dirais qu'environ toutes les 15 enquêtes, ma route croise à nouveau celle d'un escalier au milieu des bois. Parfois, ils sont proches du sentier. Parfois, à 4 ou 5 km. Parfois même à 40 km. Au milieu de nulle part, et je ne les trouve que durant les recherches les plus étendues ou bien les week-ends d'entraînement. Ils sont généralement en bon état, mais parfois, ils semblent avoir été là depuis des siècles. Le plus grand que j'ai pu voir ressemblait à ceux d'anciens manoirs. Il était large d'environ 2 mètres et culminait à plus de 6 mètres. J'ai déjà essayé d'en parler avec d'autres personnes, mais ils me donnent exactement la même réponse que ma formatrice. C'est normal. Je ne dois pas m'inquiéter. Ça n'est pas grand-chose,
mais je ne dois surtout pas m'en approcher ou les grimper. Quand les apprentis que je forme me posent la même question aujourd'hui, je leur donne la même réponse. Je ne sais vraiment pas quoi leur dire d'autre. J'espère un jour avoir une réponse, mais pour le moment, le mystère demeure. Voilà, c'est tout pour ces trois histoires d'horreur supposées réelles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez plus de vidéos traduites? Est-ce que c'est un concept qui vous intéresse? Je suis beaucoup de chaînes horrifiques anglophones et j'avais envie d'apporter moi aussi un petit peu ces histoires-là en français. Donc est-ce que je dois continuer à en faire? Et n'oublions pas que même si ces histoires sont supposées réelles, elles restent avant tout de la fiction. C'est la version moderne des histoires que l'on se racontait au coin du feu, sauf que maintenant ça se fait sur Internet et de manière anonyme. Voilà, à très bientôt et salut à tous.